Alors aujourd'hui à la VAC, on a pu participer à plusieurs conférences en dermatologie, notamment sur les thèmes de l'imagerie au service du dermatologue, où on a revu l'utilisation du vidéotoscope par exemple, du scanner, de l'IRM. C'était extrêmement intéressant et enrichissant. Aujourd'hui à Marseille, et on a assisté à la première conférence, c'était l'accueil et l'hospitalisation des NAC. On a revu les points principaux pour l'accueil et l'hospitalisation et l'anesthésie sur les NAC, et donc après sur les mammifères, les rongeurs, les reptiles et les oiseaux. Donc c'était bien pour un bon petit rappel, pour après vraiment s'améliorer pour le futur. J'ai commencé par faire un petit topo d'une petite demi-heure sur le déroulement de l'euthanasie et le rôle des assistantes avant, pendant et après l'euthanasie, avec quand même des notions sur le deuil, des notions sur l'empathie, sur les mots qu'on peut utiliser ou pas. Et puis ensuite, je leur ai demandé de me donner des situations compliquées ou des situations qu'elles avaient eu du mal à vivre. Donc là, j'ai récolté pas mal de situations. Puis on a fait des jeux de rôle, soit au téléphone, soit au comptoir. Et puis même un jeu, on avait un mannequin chien. Ça donnait lieu à des discussions qui sont super riches. Et la plupart du temps, c'est super avec les ASV parce que elles sont vraiment super sincères et elles n'ont pas d'angoisse de représentation comme peuvent avoir certains vétos, en tout cas d'angoisse de performance par rapport au père. Là, les ASV, je crois que c'est pas prouvé. Hein. Elles sont super contentes de rencontrer d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problématiques et qui ont la même vie. Après, pour nous, les vétos, pour moi en particulier, je vois des gens avec qui j'ai beaucoup échangé, soit dans mes matières de prédilection, soit au sein de la VAC quand j'étais dirigeante à la VAC quand j'étais partie du conseil exécutif. Vraiment un super congrès là, ces 3 jours d'échange, c'est vraiment top.